Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Donc ça fait plus d'un an que j'ai pas enregistré le jeu, donc je sais plus exactement combien de temps, mais ouais, ça doit bien faire peut-être même 2 ans. Ouais, je crois que ça fait plus de 2 ans en fait, parce que les dernières vidéos que j'ai mises datent un peu. Et puis là je viens de finir FF7 hein, pour vous situer. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo donc. Mais voilà quoi. Là on est en. Nous sommes en 2019, septembre 2019. Je sais pas si vous verrez cette vidéo en 2020, ça se trouve. J'en sais rien. Mais voilà, les dernières vidéos, moi elles datent de 2017, je crois, les dernières que j'avais enregistrées donc. Bref, on avait tué Necklord. Donc il nous reste hein, l'Empire hein, qui est toujours vivant avec Joey à sa tête. Qui est un peu bah, notre vrai adversaire. Oula, pourquoi j'ai qu'un PV? Bon, c'est pas important. Donc là on pourrait prendre le comment ça s'appelle le miroir pour retourner au QG. Mais on a d'abord un perso à recruter pas loin. Il se trouve juste dans la ville, enfin le chemin de la ville à côté là. Voilà, Tagamos. Attendez un petit moment. C'est bien ce que je me disais. J'étais en 50 FPS. Donc voilà, on va aller. Voilà, vous continuez tout le temps tout droit. Et là, vous allez tomber sur Georges. Georges qui est d'ailleurs dans. Qu'on voit dans la fin. Bon, c'est peut-être Georges, hein, je sais pas. Moi, je dis Georges. Hein. On s'en fout. Georges, hein, comme vous voulez. Voilà, c'est un perso très important qui est en fait un ancien général de l'Empire Écarlate. Bon, faut connaître un peu l'histoire. Faut connaître un peu l'histoire de Suikoden pour comprendre. Putain, mais c'est toujours autant de la merde la traduction. Je comprends rien. Bon, vu qu'ils ont refait la traduction d'F7, ce serait bien qu'ils refassent celle de Suikoden 2 parce que. Putain, en plus, il y a des mots en anglais au milieu quoi. Paiement, PAY, MENT quoi. Voilà, donc pour l'avoir, bah, il faut avoir tué Necklord en fait. Merde. Bon, il est niveau 99, c'est un bug. Il y a un bug dans le jeu en fait qui fait que des fois quand on recrute les persos, et ben ils sont niveau 99. Bon, c'est pas grave. Du coup, il a une rune. Et ma manette qui déconne, hein, je suis désolé, elle part un peu sur les côtés des fois. Voilà, tueur, donc ça augmente les chances de coups critiques en gros. Donc on va sortir d'ici. Et donc ouais, je vous disais, il reste Joey à tuer. Enfin à tuer. C'est un raccourci hein, ce que je vous dis. Hein. Mais voilà, il reste l'Empire à combattre, hein, parce que c'est quand même notre ennemi de toujours, même si Lucas Blight est mort. Et donc, on va utiliser le miroir pour retourner au QG. Et on va aller à... je crois que c'est South Window. Pour recruter un autre perso. Après celui-là, il n'y aura pas d'autres persos à recruter pour l'instant. De toute façon, là, on a presque tous les persos du jeu là. Si vous voulez, là, on continue l'histoire et après le prochain chapitre de l'histoire, on va dire, on aura tous les autres persos qui nous restent à recruter et c'est fini après.
Vous vous rappelez de lui, on l'a vu il y a très longtemps. Alors moi j'ai toujours cru qu'il y avait un duel quand j'avais vu ça. En fait non. C'est là, bon, c'est pour montrer qu'il est vachement costaud, hein, parce qu'on est quand même à 6 sur lui là. Pourtant j'ai pas les persos les plus forts physiquement hein, dans mon équipe. Bon mon perso il est pas mal mais... Bon, on s'en fout à la limite, parce que de toute façon la formation... Voilà, et lui il a la rune résurrection. Bah comme lui en fait. Donc c'est un peu comme Khan. Hein. Mais il est plus fort, hein. Il a des meilleurs stats je crois. Bon là il est niveau 27 donc ça se voit pas mais... En fait c'est pas pareil. Il manque cri, fleur de charme. C'est quoi après? Ok. Ok. Voilà, on continue l'histoire. Vous voyez, après le gros morceau d'histoire qu'on a eu dans la vidéo précédente, on aurait pu croire qu'on allait se taper 15 vidéos de recrutage de recrutement de perso annexes. Mais non, vous en faites pas. On va continuer l'histoire là. Enfin, on va juste faire un petit truc là. Déjà regardez. Voilà, on en est là au niveau des. Donc il nous manque un. Deux, trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Huit persos il nous manque. Huit persos et on a les 108 étoiles. Alors je vous rappelle que c'est complètement optionnel. Hein. On n'est pas obligé d'avoir les 108 étoiles pour finir le jeu, mais par contre on est obligé d'avoir les 108 étoiles pour avoir la meilleure fin. Ah, on voit. Voilà. Donc. On va faire un petit tour dans la cuisine. Parce que j'aimerais bien qu'on voit la fin de la. La fin de la quête des cuisines quand même. C'est une quête annexe cool mais c'est aussi. C'est aussi un. Attendez, je suis pas au bon endroit là. Non. Ce qui est bien dans la cuisine, c'est que ça. Il y a une petite histoire autour aussi. On doit être en haut alors. Merde, mais c'est où? Peut-être là alors. Ouais, non. Je m'en rappelle même plus où sont les trucs. Non, c'est pas là la cuisine. Putain, la merde. Bon, bah j'ai oublié où était la cuisine. Ça commence bien. Putain, mais ça me choque que ça soit pas là. Bon, là il y a le cristal. On est au deuxième là. Si, c'est au deuxième. Si, c'est là le cuisine. Oui, c'est là, c'est là. Je suis au bon endroit en fait. Voilà, donc comme d'hab, hein, la suite de l'histoire de la quête de la cuisine. Je sais pas si j'arriverai à la finir, mais... On va voir ça. Le grand chef italien.
Merde. Pas appuyé trop vite. Voilà, donc concours de cuisine habituel. Il me semble qu'il est assez fort. Alors je vous rappelle que les gens en haut sont aléatoires. Et selon leur goût, faut faire des trucs qu'ils aiment. Bon, je passe, hein, parce que... Alors... Ah ouais? Je savais pas ça. Japonaise... Un végétarien qui aime la fille française, l'autre la japonaise, ça va être compliqué, hein. Il y a deux qui aiment le poisson, au moins. Il va faire des pâtes, lui, celui-là. Voilà. Ah, Yo, hein, qui pense, je pense que c'est un grand maître de la cuisine chinoise, hein. Vu son nom et les plats qu'on peut faire. Alors, ça, c'est quoi Tamagoyaki, d'ailleurs? Tamago, c'est un œuf. Je sais pas, c'est un truc avec de l'œuf. On pourrait faire ça, ouais. Vu que l'autre il aime la cuisine japonaise. J'y connais rien, on va voir. Ah ouais. Sucre. Omelette sucrée, ouais, dégueulasse. Ah ouais, ça rend traduit. Ça, c'est le truc le moins bien traduit, hein, je crois. Ouais, on va faire autre chose. Alors on va faire... Ça c'est japonais aussi. Attends, on comprend rien, ça veut dire quoi? Ah, au sashimi! On va y aurait aimé ça. Ensuite le plat. Prime le poisson. Ah, mais l'autre elle est végétarienne, elle va nous saouler. On va essayer de faire que du poisson, on va voir ce que ça donne. Merde. Ah ouais, si on met du poisson frais avec de la soja, ça fait du boulette de viande. Ouais. Gâteau de crabe, ah, pas mal. Ça a tout l'air dégueulasse, c'est incroyable. Ah non, mais sans déconner. Ouais, les gâteaux de crabe. Puis l'autre, elle aime la cuisine française, on va faire un gâteau français. Gâteau nanami, non, on va éviter. Gâteau de feu. Putain, mais ils sont tous dégueulasses, leur... Avec du sucre. Bon, allez. De toute façon, je crois que cette... Qu'on la gagne ou pas, celle-là, c'est pas important. Ouais, le jeu de cuisine, il est assez aléatoire. Hein. En général, il vaut mieux sauvegarder. C'est pour ça qu'il nous propose à chaque fois de lancer tout de suite la quête ou pas. Pour sauvegarder et refaire la recette si on se loupe. Donc pour rappel, les recettes, on peut les trouver un peu partout dans le jeu. Il y en a une trentaine, je crois, en tout. Non, même plus que ça, une cinquantaine, je sais plus. Bon, on en trouve un peu partout. Il y a des monstres qu'on donne, il y a des dans les comptoirs, là, où on fait les échanges commerciaux. Il y a certains épices. Le poisson, faut faire le mini-jeu de la pêche. Pour avoir les animaux, bah, on peut en acheter un peu partout. Voilà. Puis il y a des recettes des fois cachées dans les meubles. Après, je me suis pas amusé à tout faire là-dessus, donc... Les ingrédients, ça va, mais le... Le comment... Les recettes, j'en ai pas beaucoup. À part celles que j'ai gagnées dans le concours. Oula, c'est quoi ce truc qui nous a fait, hein? On a des vieux boyaux dégueulasses. Maï maï. Ah ouais. Eh ben. À moi. Je fais un petit bento là. Allez, mais l'autre il adore le poisson, il aime pas ça. Bon, c'est toujours mieux que l'autre. Faut pas qu'il nous fasse des 5 partout. Ah, ça va vraiment s'appeler à tout le monde ça. Oh putain. C'est sur 5 hein, les notes. Allez là, c'est plat de luxe.
Oh là là. Bon, s'il fait pas un énorme dessert et nous un dessert dégueulasse, normalement on a gagné. Bon, vu qu'il a fait un poisson, ça devrait le faire. Poisson, crème et ok. Ça c'est du dessert, dis donc. L'autre il adore le poisson et tout ce qui est poisson il aime pas. Il met des 1. Ah, là elle devrait aimer le gâteau normalement. Quoique c'est pas très français, remarque. Shortcake. Non, moi je l'ai massacré. Je pense que c'est bon, hein. Oh. Ah, ça commence à devenir chaud quand même. Hein. Bon, il y a une grande part d'aléatoire entre les jurys qui changent. Et même l'adversaire il fait pas toujours les mêmes plats. Hein. Si vous sauvegardez et vous recommencez, il fera pas forcément les mêmes plats. Le problème c'est qu'on est bientôt à la fin du jeu donc je suis pas trop retourné dans la cuisine là. On s'aide de ramen là. Ramen dégueulasse que personne n'a aimé. Quoique le ramen si ça passait encore. Voilà, on va continuer le jeu. On va juste faire un truc avant. J'ai fait presque 20 minutes de vidéo. Ça avance dans l'histoire, putain. Non mais, de toute façon, on va continuer. T'as la super vidéo. Après 2 ans sans jouer, je recrute 2 persos, je joue à la cuisine. On va aller là. Est-ce qu'il faut que je parle à... Merde, elle est où? Je sais plus où elle est. Non, elle est par là. Je cherche le dépôt en fait pour déposer mes objets là. Je sais plus où elle est. Non mais elle est pas là. Bon on va sauvegarder, on va arrêter là, non je rigole. Bah putain elle est où? Elle est près du bar. Ouais puis merde on s'en fout. Je le ferai hors de vidéo. Parce que j'ai un inventaire presque plein là. En fait, les dialogues ils sont trop longs quand on laisse passer comme ça. Cette mélame, c'est pas mal. Ah bah enfin. Vu la raison qu'il donne, j'ai pas trop envie de dire oui, mais... Bon allez, vas-y, on s'en fout. Yes.
Je vais me reposer, mon pote. Alors, je vais quand même sauvegarder. Même si c'est pas la fin de la vidéo. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je vais sauvegarder quand même. On va faire ça. Petit instant. Une urgence. Voilà, c'est bon. Du coup, on va aller dormir. Alors, je sais même plus où se trouve mon lit. Il doit être par là. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Je suis redescendu. Non, mais il y a une force qui me retient. Je descends. Non, je rigole. Bon, alors, je vais retourner dans mon lit. Je crois que c'est au troisième, non? C'est pas ça? Ça. Putain, c'est un massacre hein, cette vidéo. Remarque, moi j'aimais bien dans mes anciennes parties regarder les. Regarder le château avec tous les persos où ils étaient. On peut vraiment retrouver tous les persos hein, dedans. On sait pas là. Putain, mais je. Où est ma chambre? Je sais même plus où c'est. C'est pas là? Ah bah si, c'est là. Non, je crois. Ouais, c'est là. Problème ce mec. C'est qui là dans ma chambre? Oh, ok. C'est qui elle? Mais qu'est-ce que c'est de ma chambre en fait? Voilà. Donc c'est la nuit. Une des rares phases de nuit du jeu. Ça c'est bien, ouais. Bon, y'a rien à faire de spécial, on va se coucher. On peut pas dormir? Alors je sais ce qui va se passer là, mais il me semblait qu'on devait dormir. Ah bah non. Ah bah d'accord, bon bah on peut déjà le faire là. Oui, je sais, vous savez pas de quoi je parle. Quoi descendre? Là on est comme le général et il nous empêche d'aller nous promener quoi. C'est incroyable, moi je m'arrivais à 3h, hein, je suis un malade, putain. Je suis un grand chef parce que je m'arrivais à 3h du mat. Ah, il fallait faire ça avant, je me rappelais pas de cette scène. Surette. Non, ça va aller. Salut! Putain, mais c'est quoi cette traduction encore? Derrière, t'as Luc. En mode rien à foutre. Tu te calmer, toi. Je sais plus trop ce qu'il faut faire.
Ouais. Là, je pense pas que ce soit une mauvaise traduction, parce que bon, c'est quand même à moitié des chiens, donc je pense que c'est fait exprès. Putain. Ah, c'est un... Quoi, c'est un homme? Tomo, c'est un mec? Ah, peut-être, remarque. J'aurais pas dit. Bon, ça a quand même une vidéo de transition, parce que là, même si... Même si c'est pas fini. F. Bon, là on voit tous les alcoolos. Hein. Pourquoi il dit Monseigneur? Il dit Monseigneur à son mec. Trop bizarre. Je sais pas si c'est encore la traduction qui est foireuse, parce que c'est vrai qu'il y a... En japonais, il y a pas mal de... formules de politesse, enfin... Des choses comme ça pour désigner les gens. Parce que c'est une traduction dégueulasse encore. Après, ouais, franchement, avec FF7, Suikoden 2, bon, c'est un peu la même époque en même temps. C'est clairement l'un des jeux les plus mal traduits de l'époque, quoi. Enfin, on comprend à peu près de quoi ça parle et tout, mais quand on regarde en détail ce qui est écrit, c'est vraiment n'importe quoi. Ça veut rien dire, quoi. Voilà, c'est ça que j'attendais. On s'y attendait pas, celle-là. Ouais, elle fait des dégâts. Hein. Moi, je suis aussi mal avec ça en fait. Oh là là, ce que je l'ai mis. Oh là là, cet enchaînement. Attends, c'est mon perso le mieux équipé donc. Allez, j'enchaîne trop d'attaques là. Putain, je suis trop boosté. Je l'ai massacré, putain. Ça rappelle la première partie. Bon, j'avais pas eu de mal contre elle, mais je m'étais quand même pris cher. Oula. Je suis sa maîtresse. Non, c'est lui. Mais c'est quoi cette traduction? Alors à tous les coups, Tomo c'est une meuf. Hein. C'est s'il dit salaud à elle. Alors c'est aussi un mec? Non, c'est pas un mec. Oui, je sais, je lui mets en prison, je suis un gros bâtard. Mais en même temps, elle essaie de me tuer donc. Est-ce que c'est si bizarre que ça? On est déjà à 30 minutes de vidéo. Bah écoutez, on va quand même arrêter là.
C'est un peu con, mais 30 minutes, ça fait pas mal. Mais il y aura beaucoup d'histoire la prochaine. 100%, 100% full histoire la prochaine vidéo. Et peut-être une recette de cuisine. Non, allez, je vais essayer de pas faire de recette de cuisine. Même sauvegarde, ils savent pas l'écrire en entier. Et il y avait la place. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu malgré tout, même si c'est pas passé grand chose. Donc voilà, on a une nouvelle intrigue. Hein. Là on va faire la bataille contre Island à la prochaine vidéo. Mais il y a elle là, hein. On sait pas ce qu'elle nous fait. Qui veut nous tuer. Donc on verra bien ce qui se passe. Allez, bah je vous dis à la prochaine vidéo. Pour la suite du jeu, il nous reste... On est vraiment là à la fin du jeu, hein. Je dirais qu'on a fait 80%, 90% même. Ouais. En gros là on a un gros chapitre. Un peu de la même longueur que le chapitre avec Necklord, et puis après c'est fini quoi. Mais on a pas le perso à recruter. Enfin vous verrez ça à la prochaine. Salut, merci d'avoir regardé.